Pèlerinage en terre sainte de l'islam. Les fidèles musulmans ont procédé au rituel de lapidation de Satan. Les détails avec Amatiaya Abbas. Il était 22 heures passées. Nous sommes à Muzdalifa, une localité située à une dizaine de kilomètres de la vallée de Mina. Après avoir recueilli à Arafat, les pèlerins marquent une pause ici pour ramasser des cailloux avec l'idée de lapider Satan. Ce matin, il avançait par vagues successives sous les vigilants des forces de sécurité, tous à la recherche de la stèle symbolisant le diable près de la Mecque. Après une marche qui a duré plus de 3 heures, enfin, voici la stèle symbolisant le diable qui recevait une pluie de cailloux des fidèles musulmans. Grâce à Dieu, tout se passe bien, a dit Abdallah, un Tchadien de 35 ans qui tentait d'effrayer son chemin dans la foule des pèlerins. Les lancers de ces pierres évoquent l'action faite par Ibrahim et sa famille où le diable, selon le texte religieux, leur apparut 3 fois en cet endroit. D'abord devant Ibrahim lui-même, puis devant sa femme Agar et ensuite devant leur fils Ismaël. Pour rappel, c'est dans cet même endroit que plusieurs pèlerins avaient trouvé la mort lors de la précédente édition de suite d'une bousquille.